Les gars, vos noms reviennent déjà dans les conversations. Vous avez juste 12 ans, vous êtes très, très bons joueurs, on vient de le voir. Est-ce que ça met de la pression supplémentaire ou c'est de la motivation ou un peu des deux? C'est de la motivation, oui. Mais c'est vrai que ça stresse aussi parce que... Mais non, c'est correct. Moi, je trouve que ça me motive un peu aussi, là. Puis ça, on a juste 12 ans, tout peut changer à un instant. Tu sais, dans le civil, dans le scolaire, il y a des bons intervenants partout. Même dans notre coin, la structure qui est là intégrée, c'est une structure qui a des bons intervenants. Juste pour te dire, mon frère, son garçon joue au civil. Il joue pour l'Armada ici au Trois-Pays-au-Québec. Puis mon garçon à moi joue pour le scolaire. Donc, c'est la façon qu'on veut faire les choses. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est plus de petits gars qui jouent du hockey d'élite dans notre quartier, dans notre coin, probablement au Québec. Il y a la façon de voir les choses qui disent qu'on veut faire jouer les meilleurs avec les meilleurs, mais il y a une autre façon de penser qui dit qu'il y en a des bons des deux côtés. Pourquoi pas former plus de meilleurs joueurs de hockey au Québec pour qu'on, en masse, on devienne une meilleure gang de joueurs de hockey. Parle des bons, t'en as quelques-uns. Ton garçon Cody fait partie. Parle-nous un peu aussi de Jérémy Leroux. C'est pas méchant. Jérémy Leroux, un joueur exceptionnel, un joueur explosif. Je parlais de joueurs qui peuvent changer un match. Jérémy en est un, tout le monde le sait. Tout le monde connaît son nom déjà. On l'a vu aujourd'hui, il est tellement explosif. C'est un petit gars qui prend pas rien pour acquis. C'est un petit gars qui travaille extrêmement fort. C'est un de ceux qui travaille le plus fort dans les entraînements, qui est là de bonne heure, qui lance des rondelles avant l'heure de pratique. Jérémy, je crois que tu as une récolte de 6 points. Puis ça, c'est ça dans les deux premières périodes. Tu sais, c'est quand même plate parce que pour l'autre équipe, parce qu'on gagne par beaucoup. Mais c'est cool pour nous parce que c'est une bonne première game puis ça nous motive pour le tournoi, le reste du tournoi.